Pas du tout. Je n'aime pas tellement Paris. Je suis banlieusard, je suis né à Boulogne, mais mes parents habitaient à Antony, qui est une banlieue totalement ordinaire du sud de Paris. J'y suis resté une quinzaine d'années. Ensuite, j'ai vécu à Paris. Maintenant, j'habite aussi en banlieue, mais pas dans cette banlieue-là. Et je n'aime pas beaucoup Paris. Moi, j'aime vivre loin de Paris, loin de la ville, dans la nature. Pas être emmerdé par les voisins. Alors, pas mal de choses. D'abord, je suis un père de famille nombreuse. J'ai 5 enfants, donc ça donne un petit peu d'occupation. Je fais beaucoup de moto. Et je fais pas mal de voyages aussi, de périples en moto. Je fais pas mal de musique, mais pour moi, uniquement pour moi. Et je glande aussi un peu, j'aime bien glander, pas mal d'internet. J'aime bien surfer. Voilà, ça occupe mon temps, quand j'en ai. Une des dernières, c'est Lionel Astier, qui est un comédien, metteur en scène, qui maintenant se pique d'adapter aussi. Et voilà, ça c'était une belle rencontre, parce que c'est un type profond et un très bon acteur, et que il n'y en a pas dans le genre. Mon dernier fou rire, avant-hier, sur un tournage sur lequel je suis actuellement, avec un comédien qui s'appelle Jean Del. Voilà, nous avons ri plus que de raisonnable. Samedi après-midi, lors de la remise de la Légion d'honneur à ma maman. Alors moi je suis un peu comme les chiens, c'est-à-dire que je peux manger ce que j'aime, je peux le manger tous les jours pendant 30 ans, sans remuer la queue bien sûr. Les pâtes, le riz, la salade. Voilà, ça, si vous me faites ça tous les jours, je suis content.